La singularité et la complexité du projet de Clément Ader font qu'il ne trouve aucune motorisation existante à l'époque capable en fait d'être suffisamment légère et puissante pour pouvoir équiper un avion et assurer le décollage de l'appareil. Du coup, celui-ci va être conduit, comme plus tard les frères Wright, à développer sa propre motorisation. Pour ça, il va faire appel à un artisan dont l'atelier est situé rue Pajot dans le 16e arrondissement de Paris. Et il va développer Éole et son moteur dans cet atelier à l'aide de ses fidèles collaborateurs Garnier, Vallier et Espinoza. Ce moteur est basé sur la technologie à vapeur la plus en vogue pour l'époque. La puissance de développer est de 20 chevaux, donc à l'aide de 4 cylindres, de deux couples de cylindres à chaque fois. La puissance est transmise à une hélice en bambou, munie de 4 pales, 2,6 mètres de diamètre, et assurée par la chaudière, qui est d'une très grande complexité, une chaudière de pas moins de 1540 tuyaux. L'ensemble de la motorisation fait 51 kg, ce qui fait donc une puissance massique donc de 20 chevaux pour 51 kg de l'ordre de 2,5 kg par cheval. Donc une performance qui permet d'offrir de bonnes conditions à Éole pour assurer le décollage lors de son essai. On voit qu'il y avait éventuellement deux options possibles. Motorisation à vapeur, motorisation à essence, avec les limites qu'on sait sur la motorisation à vapeur, c'est-à-dire que la puissance développée reste toujours limitée et très dépendante du poids et du volume. À l'époque, est-ce que Clément Ader aurait pu aller sur de la motorisation à explosion? En fait, il a commencé à réaliser ses travaux, à réaliser Éole en 1882. Et on a vu la première motorisation à essence spécialement destinée pour l'aéronautique, qui était le moteur de Dion-Bouton, qui est apparu en 1889 avec une puissance de l'ordre de 2 chevaux seulement, donc très inférieure aux 20 que pouvait développer le moteur d'Éole. L'option de Clément Ader restait la meilleure, le moteur à vapeur était plus mature, il était déjà mis en œuvre sur beaucoup de dirigeables. Donc ça, c'était certainement la meilleure option avec les limitations que l'on sait. Finalement, à l'époque, il n'y aura que Samuel Langley qui réussira donc avec son ingénieur Charles Manley à avoir une motorisation plus puissante, mais en 1903, donc 13 ans plus tard.